l'histoire, c'est une histoire, une rencontre surtout très chaleureuse. En fait, on s'est rencontrés pour faire un défilé et tout, et j'avais pas du tout fait ça, moi. Enfin, je connaissais Agnès B, la marque, mais je connaissais pas la personne, et franchement, je suis super content de l'avoir rencontrée. Une femme super chaleureuse, remplie de soleil et d'idées, de bonnes ondes, et franchement, c'est super cool, et j'espère que ça durera le plus longtemps possible. En général, quand on se met dans un pantalon ou dans un costard ou dans un truc, on n'est pas très à l'aise. Et là, sur des vêtements comme ça, on est vraiment bien et on sent bien et on arrive à être très chic. C'est vrai que c'est une marque qui représente bien la France, je trouve, quand même. Il y a une authenticité, un truc classe, et en même temps, c'est une maison très simple, très, très familiale, très chaleureuse, et elle reste humble. Et elle fait des super belles fringues, elle adore rencontrer des gens, elle a toujours la soif de plein de choses alors qu'elle fait déjà des choses énormes. Et c'est ça qui est ouf. Une de mes pièces phares chez Agnès B, c'est j'aime vraiment beaucoup les pantalons un peu comme ça, très souples mais très classe. En fait, c'est comme un jogging, mais en même temps, c'est un pantalon quand même à pince aussi. Ça fait très chic et en même temps, on se sent très à l'aise dedans et elle n'a pas. De matières différentes et tout, et franchement c'est super cool. Après voilà, la casquette Agnès B et tout, j'aime beaucoup aussi, avec le Agnès B.